En Guinée-Bissau, le président Omaro Sissoko Embalo ne briguera pas de nouveau mandat. Annonce faite ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres. Mais la décision a été prise après un conseil de famille et un tête-à-tête avec son épouse. Les détails avec notre correspondante régionale Aminatou Diallo. Mon épouse m'a conseillé de ne pas me présenter. C'est donc parce que sa femme ne supporte pas qu'on l'insulte sur les réseaux sociaux ou encore en public qu'Omaro Sissoko Embalo a décidé de ne pas briguer un second mandat. Mais qui donc pour le remplacer? Je ne serai pas remplacé par un bandit, a-t-il affirmé, en citant nommément ses principaux opposants, Domingo Chimoche Pereira, l'actuel leader du parti de l'opposition, le PAIGC, ou encore son ancien premier ministre, Nuno Nabiam. Pour Embalo, le prochain chef de l'État devra être beaucoup plus sérieux qu'eux. Mais attention, Omaro Sissoko Embalo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Dans les colonnes de Jeune Afrique, il nuance ses propos et affirme qu'il n'exclut pas de changer d'avis en cas de demande populaire.